bien, aujourd'hui on est vendredi 24 avril, il est 10h avec Mathieu ce matin, on s'est levé, il était 8h30. Les filles viennent de se lever, donc Sarah et Roxane sont en train de déjeuner, Gabrielle, Romane et Raphaël sont toujours en train de dormir. Aujourd'hui, grosse journée de prévu, puisque aujourd'hui Gabrielle a décidé de faire une après-midi fête foraine avec ses sœurs. Donc fête foraine créée par elle, hein, je dis bien, on va pas à la fête foraine, bien sûr que non. Elle va organiser ça. Donc ce matin, elle a des petites activités à faire avec ses sœurs. Et cet après-midi, elles font la fête foraine. Donc en gros, elle va créer une pêche au canard, un chamboule-tout, un mur avec des trous, là, enfin un carton avec des trous, jeter des balles dedans avec le nombre de points là, vous savez. Une course en sac, une course chronométrée avec des palmes, enfin voilà, un truc hyper sympa. De toute façon, je vloguerai tout ça cet après-midi, mais voilà. Aujourd'hui, c'est Gabrielle qui a trouvé l'activité et ça c'est cool parce que hier justement, je disais, hier on n'a rien fait, c'est pour ça que j'ai pas vlogué. Franchement, on s'est fait chier comme des rats morts, comme je dis. Et j'ai dit à tout le monde que ça aurait été bien que tout le monde participe à essayer de trouver des activités parce que j'étais toujours toute seule à essayer de trouver des activités pour tout le monde et qu'au bout de 6 semaines, j'étais franchement à court d'idées. Donc un petit coup de pouce, j'étais pas contre quoi. Et du coup, Gabrielle, hier, elle s'est mise à chercher des activités avec moi et du coup, on en a trouvé pour toute la semaine. Donc je vous dévoile pas tout maintenant, mais franchement, toute la semaine, on est calé niveau organisation. Des activités. Donc ça c'est cool. Donc aujourd'hui c'est ça. Donc là Mathieu il est parti vite fait au lycée parce qu'en fait pour faire la pêche au canard on a la piscine, on a la petite piscine pour faire une petite pêche au canard quoi. Faut que Gabriel fasse les cannes à pêche et pour faire les petits bateaux il fallait de la mousse ou du polystyrène et Mathieu il en a au lycée dans des cartons où il y a les comment ça s'appelle? Je vais y arriver ce matin. Où il y a les ordinateurs. Donc du coup, il est parti chercher du polystyrène pour que ce matin, les filles puissent faire leur activité. Donc les filles seront occupées à faire leur activité. Moi, je vais m'attrayer, je ne sais pas si ça se dit, si ça doit se dire, à faire tout le ménage de la maison parce que vous pouvez le voir que je suis de nouveau, enfin, toujours et encore en pleine crise d'allergie. Je suis pourtant de nouveau sous Zaerius. Mais franchement, c'est hyper carabiné le printemps cette année. Et en plus, Doug et Ruben perdent leur poil plus que permis. Hier, Mathieu, il a lavé Doug en me disant ça va peut-être te soulager un peu, mais ce matin, il y a de nouveau des poils partout. Donc, du coup, j'ai les yeux comme ça. Voilà. Donc, du coup, ce matin, pour moi, c'est ménage. Activité pour les filles ce matin organisée par Gabriel. Et Mathieu, vu qu'on est vendredi, il va aux courses de la semaine puisqu'on l'a fait vendredi dernier. Donc là, il retourne faire les courses jusqu'à mardi, puisque mardi, c'est jour de paye. Donc, ça sera jusqu'à mardi. Voilà. Donc, grosse journée de prévu aujourd'hui, parce qu'il y a aussi de la pâtisserie prévue dans toute cette grosse journée. Mais en même temps, aujourd'hui, il va faire super beau à midi. On va manger dehors, on a dit, parce que aujourd'hui, ils annoncent 26 degrés. Avec un grand soleil et là il est 10h comme je vous disais. Bon là j'ai mon polaire parce que moi le matin j'ai toujours froid, mais je pense qu'il va faire vite très très bon. Donc ça c'est trop bien. Par avance, je n'ai qu'une main de fait puisque hier j'ai fait mes ongles et j'ai fait une main. Donc là j'ai fait, vous n'allez pas vraiment voir, mais j'ai fait un violine en fait et là j'ai une petite fleur. Non, vous n'allez pas la voir. Enfin bref. Et l'autre main n'est toujours pas faite. Voilà, parce que c'est ma main gauche et que j'aime pas faire la main gauche et que du coup hier comme j'étais claquée j'ai dit je ferai mon autre main demain. Donc faut que je la fasse, je sais pas quand parce que en vue de la journée qu'on a plus Koh-Lanta ce soir, je ne sais pas quand est-ce que je vais faire ma main. Mais c'est pas grave, on va bien trouver un petit moment, bah, sinon je la ferai demain, c'est pas grave. Donc voilà, donc j'attends que Mathieu rentre, je vais commencer tranquillement le ménage et après c'est parti pour le début deux journées qui s'annoncent bien chargées et ça j'aime bien. Bon, il est 11h30, tout le ménage est terminé, les chambres, la salle, partout. Là, j'ai en train de tourner, j'ai plus que mes blancs à faire, mais j'ai pas grand-chose à faire. Donc du coup, pendant que j'ai fait ma douche, Gabrielle, Roxane et Sarah ont déjà fait leur douche, comme ça c'est fait. Là, elles sont en train de s'installer pour faire la première activité du matin. Et moi, du coup, pendant ce temps-là, je vais pouvoir en profiter pour aller me laver
pour que quand Mathieu va rentrer, je puisse faire le retour de course. C'est toute une organisation aujourd'hui, mais pour le coup, ça fonctionne plutôt bien. Donc c'est parti, on continue. Terminé, Gabi m'a refait maîtresse. Je suis en train d'installer tout ce qu'il faut pour faire le retour de course. C'est mieux si je tape pas dans la gamelle des chiens. Donc là, j'attends que Mathieu rentre. Les filles sont toujours sur leur activité. Du coup, cette fois, je vais tourner le retour de course dans la cuisine parce qu'en fait, les filles font du bruit, ce qui est normal vu qu'elles sont en train de faire une activité. Donc du coup, le mieux, c'est que je sois dans la cuisine tranquillement. Mathieu est en train d'arriver, je vois la voiture là qui est en train de se garer, vous la voyez pas parce qu'il veut pas me faire la poix. Ouh, voilà, bon, non, c'est pas la sienne. Bon bref, Mathieu arrive et c'est parti pour le retour de course et après on s'installera dehors puisque on va manger dehors aujourd'hui. Parce que comme je vous le disais, il fait un temps magnifique, donc on va pas se priver, j'ai envie de dire. Bon, nous voilà dehors, on a déjà mangé, il doit être 13h34, combien ? Ah oui, il est presque 14h, ce qui est 13h56. On a mangé, on a eu peur franchement de se prendre un orage sur la figure parce que là, c'est tout noir au-dessus de nous. Mais il fait chaud, enfin il fait lourd quoi. Je pense qu'on va avoir un orage soit cet après-midi, soit ce soir. Mais pour l'instant, il pleut pas, donc on profite de rester dehors. Voilà, on va prendre notre petit café et tout le tralala. Et puis si les filles ont un peu de chance, elles pourront faire leur truc. Mais bon, il faudrait que ça s'éclaircisse. Ce qui est drôle, c'est que là, c'est bleu. Je sais pas si on voit, en fait. J'ai pas l'impression. Bon, bref. Là-bas, là, c'est bleu. Et là-bas, c'est noir-gris. Comme ça, là. Voilà, on est super contents. Bref, on verra bien. Prenons le café en attendant. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Allez. Oh, pas attrapé! Attends, allez, Christiane, bravo! Ouais! Bravo! Comme ça? Attention! Hop là! Ouais! Attention! Course de palme à présent. J'ai le chronomètre. Gabi est la première. Attention, t'es prête? 1, 2. Je vais pas y arriver. 1, 2, 3, c'est parti! Allez, tu y es presque. Tu vas jusqu'où comme ça? Jusqu'à la table? Allez. Oh! Attention! Stop! Attention, course en sac. 3, 2, 1, go! Je sais pas, il court dans le sac. Raphaël a pris la tête. Je sens bien qu'elle va se prendre une pelle, non? Attention. Qui va gagner? Attention. Ouais, Raphaël a gagné. Attention au tour de Sarah. Allez, 1, 2, 3. Oh, Sarah, t'as pris la tête. Vite. Vas-y, Sarah, t'es trop forte. Attention! Ouais! Bon, évidemment, on a tout rangé en speed parce qu'il pleuvait. Et il a arrêté de pleuvoir. Bah, il pleut plus. Voilà. Donc, du coup, on a quand même tout rangé pour pas qu'on soit trop mouillé s'il repleut. Mais du coup, on peut continuer la fête, la kermesse, là, je sais pas quoi. On a une idée, on met une page chacune et celle qui arrive en premier là-bas a gagné. D'accord, vas-y. Peu, go, partez. Vite. Vite. Bah, Raphaël, tu t'es pris une raclée. Terminé, fini.
Elle avance bien, Gabi. T'as une concurrente de haute taille ou de taille haute, je ne sais pas. Attention. Ah, la chute avant l'arrivée. Quel dommage. Oh, vite, faut toucher la table. Prochain jeu, c'est quoi le but du jeu? Il faut faire le plus de points, par exemple, là c'est 50, 10, 20, 40. Ok. 35. Allez, vas-y, ma poule. Oh, raté. Allez, vas-y, vise. Oh, presque. Mets-le dans le trou. Même là, tu y arrives pas. Allez, vas-y. Allez, vas-y. J'ai fait le plus gros trou, ouais. Mais vise le trou! Ouais! Attention! Raté! Ah, presque! Deuxième chance! L'eau est froide, hein? Ah, c'est glacé! Non! Raté! Allez! Jeu du clou entre Gabriel et Raphaël! Non, tu triches! C'est un coup! Ouais! La première qui l'enfonce a gagné. Attention, Gabriel. Oh, à côté. C'est sa stratégie. Gabriel, elle tape deux coups. Bah oui. Encore un coup, elle a tapé deux fois ta soeur. Oh là là. Allez, Gabriel. À toi, Gabi. Oh, elle tape à côté. Encore. Raphaël, Gabriel. Non, vas-y. Oh là, vous ne savez pas viser, hein, c'est pas possible. Ah. Attention. Oh là là. Il tape qu'à côté, quoi. Raté. Non. Oh là là, il part de côté, là. Hein. Attention. Qui va enfoncer le clou? Attention. Ah! Attention. Ah! Attends. Monsieur, papa, est-ce que tu peux le remettre droit un peu ou pas? Bon. Raphaël, si tu plantes bien, t'as gagné. Attention, il reste encore un peu là. Le suspense est à son comble. Attention, Gabriel. Ça fait deux fois. Je pense que là, c'est pas mal. Hein. Attention, duel du clou entre Sarah et Roman. Allez, vas-y, Sarah. À Roman. À Sarah. Fort, ma poule. Voilà, c'est bon. À toi, ma poule. Ah, mais non, une fois. À toi, vise bien, mais une fois. Ouais, c'est bon. Allez, à toi. Une fois, mais si, très bien, voilà, c'est bon. Allez, à Sarah. Attention. Ouais. Allez, vas-y. Sarah, arrête de tricher une fois. Attention. Oh. Allez, vise à côté. Ah, bien, vise. Ouais. Oh là là, attends. Attention, c'est Roman. Ah, la vise à côté. Ouah, wow, vas-y, à Roman, attention, le duel est serré. Faire un coup fort. Bon, nous avons été platement battus par la meilleure clouteuse du monde entier. Sarah est la meilleure clouteuse. Mais bon, j'ai quand même un peu gagné. Hein. Contre papa, j'ai gagné. Contre Gabi, j'ai gagné. Et contre Raphaël, j'ai gagné. Moi, je n'ai plus. Raphaël, elle ne s'est pas planté un clou. Donc là, il est... quelle heure il est? 16h03. Il est 16h06. Pardon. Donc du coup, on va rentrer à la maison parce que on va faire des croustillons et des gaufres. Donc on a séparé la fratrie en deux. Enfin, Sarah m'a dit, moi je me mets avec maman. Gabi, elle a dit, moi je me mets avec papa. Voilà. Donc Raphaël se met avec moi et Roman se met avec papa. Papa, Gabi et Roman font les croustillons et Sarah, Raphaël et moi on fait les gaufres et voilà, c'est parti, go, on continue cette journée un peu bizarre parce que vous voyez le ciel il est un peu drôle. Oh, j'ai plus de batterie, oh mon dieu, faut que je mette à charger sinon on peut pas filmer. Ah ouais. I want you to show me.
How to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? On a fini les gaufres, Mathieu a fait les croustillons qu'ils mangeront ce soir, je pense, au dessert. Je sais pas, à voir ou demain, je sais pas, parce que là on a déjà mangé les gaufres, donc bon, on va pas manger les deux, je pense que ça sera au dessert ce soir. Là il est 6h20, donc avec Mathieu on va commencer à préparer les petites brochettes de crudité, puisque ce soir on fait des petites brochettes de crudité. Ça va être trop bon devant Koh-Lanta, ça va être topissime. Donc voilà, on va préparer ça et puis après, on attendra Koh-Lanta tranquillement et puis on mangera devant la télé comme la semaine dernière, trop bien. Bon, il est 10h30, Koh-Lanta c'est fini, on a fait notre petit plateau télé, c'était bien sympathique. Donc là, on va aller monter le vlog, monter le retour de course et on se retrouve après parce que depuis tout à l'heure, je n'ai toujours pas de batterie. C'est très pratique. On dirait une vieille grand-mère avec ma veste. Surtout toi t'as la veste polaire puis moi je suis bras du coup. Faut pas chercher à comprendre, c'est un vieux truc que ma mère a lavé et voilà, j'ai eu un coup de froid tout à l'heure en regardant la télé du coup. Comme elle était sortie, j'ai dit tiens je vais mettre la veste à ma mère, voilà. Et je suis avec le gros polaire et je suis en short, la dégaine magnifique. Bref, il est 23h34 pour être exact. Le haul course est monté, le vlog est monté. Le post Instagram, ce sera demain. Parce que là... C'était bien parti dans la lancée, mais non. Ouais, mais non. Là, ça sert à rien de faire les choses. Ouais, c'est ce que je disais à Mathieu. Là, je suis fatiguée. On est debout depuis 8h30. On a eu une journée plus que bien chargée. Donc, pour aujourd'hui, stop. Alors, on va pas pousser mémé dans les orties. Hein, ça suffit maintenant. C'est toi, mémé, oui, remarque. Donc, du coup, demain, rebelote, je me relèverai vers 8h30. Et puis, je ferai mon boulot demain matin. Parce que demain, on est samedi, donc Mathieu, il n'y a pas de risque qu'il soit appelé pour aller bosser pour de l'administratif ou quoi. C'est moi ou je suis floue? Non, c'est moi, parce que je suis fatiguée sûrement. Bref, donc du coup, il y a moins de risque que Mathieu soit appelé demain matin. Donc demain matin, je peux dire, je me pose une heure là sur le PC, je fais le post Instagram et je te rejoins après. Oui. Donc là, c'est moins contraignant qu'en semaine. On déjeune tous les deux tranquilles et après tu te mets à ton boulot, moi je gère. Ouais, voilà, c'est ça. On change un peu l'organisation là, parce qu'on s'était installé dans une espèce de routine où on mettait pas de réveil, où on se couchait à pas d'heure clairement, et du coup on voyait pas nos journées. Et en fait là du coup le fait de se lever à 8h30, de s'imposer une heure de lever, je trouve que c'est important quand même si parfois on se dit oh fait chier. Je trouve que ça reste important. Je pense qu'on va s'accorder une ou deux journées où on va pas se mettre de réveil comme si c'était le week-end quoi. Mais il faut qu'on s'impose un rythme. Ça tombe bien demain, c'est samedi, c'est le week-end. Oui, mais demain j'ai du boulot. Après tu peux dormir et moi me lever, hein, c'est pas grave. Hein, non, tu sais que moi j'ai un peu beaucoup. Non, je sais bien, mais bon, enfin voilà. Donc du coup, on est super contente de cette journée. Parce que franchement, ça a été dur les derniers jours parce qu'on savait plus quoi faire. On n'avait plus d'idées, plus rien. Elles étaient passives en fait. Voilà, elles étaient passives. On elles n'étaient pas dans l'entraînement de faire des choses. Ouais, je leur demandais on fait quoi aujourd'hui? Voilà, donc j'avais des devant moi. Donc j'ai fini par faire moi aussi. Oui, parce que moi, c'est vrai que je suis occupée, je fais la caravane, tout ça. Ouais, voilà. Je m'en rends moins compte. Mais donc du coup, ouais, hier, comme je vous disais un peu ce matin, j'ai dit au fils, serait bien que vous m'aidiez à trouver
des activités parce que bah moi je suis à court d'idées. Au bout d'un moment je suis pas un robot, je peux pas toujours tout trouver toute seule. Et donc du coup Gabi a très bien compris, elle m'a dit ok, ce soir on regarde et on va trouver. Et effectivement à deux, en une heure on avait calé la semaine quoi. Ouais, on a eu plein d'idées toutes les deux, on a mélangé nos idées, ça nous a fait des super activités. Ouais. Moi je pensais à des trucs et elle ça lui faisait penser à d'autres trucs et du coup on cherchait sur internet et tout et du coup je crois qu'on a une activité par jour jusqu'à vendredi prochain. Je crois, ouais. Après sachant que même moi je vous ai donné à un moment donné des trucs en plus. Ouais, des idées bah, comme là pour la kermesse, cette histoire du clou par exemple. Ouais, de planter le jeu du clou à planter, là, ouais, c'est une idée de Mathieu, la course en palme. La course en palme, aussi, c'était moi aussi. Voilà. Enfin, voilà. En fait, ouais. On a mélangé toutes nos idées. Quoi. Ouais, on a fait un... Comment un brainstorming. Ouais, un brainstorming. Franchement, c'était bien. Et du coup, on est contents parce qu'on a trouvé plein d'activités. Les filles étaient super contentes de leur journée parce que, bah, évidemment, quand on se dit oui, on va faire une semi-kermesse, une semi-fête foraine avec croustillon gaufre, derrière, faut pas les décevoir, quoi. Faut pas que ça fasse comme un soufflet, qu'ils s'imaginent un énorme truc et puis qu'en fait, voilà, au bout d'une demi-heure, on en a marre, quoi. Donc là, on a franchement entretenu le truc toute l'après-midi à leur dire « Allez, on continue !» Enfin, voilà. Malgré la pluie et tout. Malgré la pluie, on a continué, parce que bah, y a plein de morceaux que vous voyez pas dans la journée. Mais franchement, ils ont bien joué comme ça, la course en sac, les palmes, le clou. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Les balles. Franchement, on a été au moins 2h30 de kermesse, quoi. C'est pas compliqué. Vous vous êtes mis à la kermesse au moment où je suis allé chercher les devoirs pour Romane, pour l'école. Ouais, un petit peu avant. Un petit peu avant, donc il était 2h30. Ouais, 2h30. Parce que moi, il fallait que j'y aille pour 3h. 3h-20. Donc 2h30, et on est rentré, il était 17h. Puisqu'on a dit, on va prendre le goûter tard. Ah oui, il est 5h. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà. Donc on y était 3h. Non, 2h30. 2h30. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Plus les gaufres qu'on a fait derrière. Ouais. Plus après, du coup, on a préparé les brochettes de crudités et tout, tous ensemble. Donc, du coup, ça nous a fait une grosse journée bien remplie. Voilà, plus le Koh-Lanta ce soir et tout, franchement. Ouais. La journée, elle était complète de bout en bout, tout en ayant la maison de ranger, le linge plié, le linge lavé. Tout était, fait. Calé au millimètre, quoi, entre guillemets. Bah, oui, voilà, sans être pressé. Sans être rigide, mais, voilà, sans être rigide mais tout était fait pour tout le monde. Tout était fait pour tout le monde. Chacun a eu son moment à lui. Enfin, voilà, franchement, c'était top. Donc, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Voilà, donc on est content. Donc là, c'est pour ça, ce soir, j'ai dit à Mathieu, pas de post Instagram. Non, ça sert à rien de se forcer. Ouais, voilà, je préfère le faire demain matin, tranquillement. Voilà, et puis de pas s'énerver parce qu'on est fatigué et puis de rater le truc et que ça soit pas comme jeu. Bref, donc on espère que ce vlog vous aura plu et que ça vous aura donné des idées. Bien évidemment, il faut que vous ayez un endroit pour pouvoir le faire. Oui. Parce que bah, si vous habitez en appartement, c'est plus compliqué. Quoique si vous avez un grand couloir, la course en sac, c'est possible. En palme aussi. Et en palme aussi. Donc pourquoi pas. Après, les clous, ça peut devenir un peu plus compliqué. Oh, tu mets une planche sur la table, tac tac, et puis voilà. Oui, c'est peut-être les voisins qui vont pas être d'accord. Tant moment. Pis, c'est le confinement. Bref, donc on espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura fait sourire, que ça vous aura changé aussi un peu, parce que vous savez que j'aime pas les vlogs de routine. Je suis chiante avec ça, avec Mathieu. À chaque fois, je lui dis non, je veux pas parce que ça ressemble à hier et moi je veux pas. Et c'est vrai. Donc, du coup, là, j'espère que ça vous a changé. Bon, c'est beau, exagère pas non plus. Hein. Non, mais, j'attendais que tu réagisses, mais ça venait pas. Donc, du coup, voilà, on espère que vous êtes contents de ce vlog. Nous, en tout cas, on croise les doigts, mais il y a encore de jolies choses qui se profilent à l'horizon, comme ça, là. On le voit. On le voit, non, on ne touche pas encore, mais... On le sent, là. Non, on le voit, mais on ne touche pas encore, ouais, tu vois, on le voit. On le voit, ouais. Mais comme ça, faites-le avec nous, même si vous ne savez pas de quoi on parle, faites-le avec nous, voilà. Et puis, tout comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, de cliquer sur le lien YouTube, ce qui est juste en dessous de cette vidéo. Et encore une nouvelle fois, merci à vous pour tous vos commentaires d'encouragement sur les vidéos, sur les vlogs. En ce moment, franchement, on a 99,9% de bons commentaires et on a le 0,1% de pourri. Oui, ça, c'est pas vraiment de moi toujours. Mais franchement, merci à vous pour tout votre soutien et vos messages d'amour. Franchement, et puis, fait vos petits conseils, des fois, parce que, comme on dit toujours, on n'a pas la science infuse, des fois... Un petit conseil par-ci, par-là, ça peut nous donner aussi des idées, des suggestions, et entre guillemets, se remettre en question en disant
Ah, c'est pas bête, on n'y avait pas pensé. Ouais, comme, le machouillou, j'ai commandé le machouillou pour Sarah. Je vous l'avais pas montré en vlog parce que c'était dans un vlog que j'ai pas fait. Voilà. Comme d'hab. Tu as commencé, mais que oui, t'as pas fini. Comme d'hab, j'ai commandé le machouillou. Donc, c'est pour remplacer la tétine, en fait, pour que Sarah puisse s'en passer la nuit. Sous conseil d'une de vous, d'une des abonnées, je l'ai fait et Sarah, on est super contente. Donc, voilà. Merci pour tout votre soutien, vos messages d'amour, vos encouragements, vos petits likes, vos petits cœurs, vos petits messages qui nous font sourire au fil de la journée parce qu'on les lit au fil de la journée. Donc, merci à vous pour tout ça. Merci d'être là parce que sans vous, bah, y aurait pas tout ça. Et merci. Ça sera le mot de la fin. Merci. À demain, les amis.